Bon, salut tout le monde, on part sur la session reroll. Enfin, session comment on va reroll et qu'est-ce qu'il faudra reroll. Et par la même occasion, on regarde combien de temps prend le reroll. D'ici toujours 35 minutes. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Let's go, let's go. Alors pour reroll, il faut se mettre en invité ou pas? Oui, il faudrait se mettre en invité, oui. Sinon, ça marche pas. Ok, voilà. Oh, c'est une dinguerie. Vous avez encore la pub, les gars? Est-ce que vous avez encore la pub? J'ai laissé la totalité du live pour le côté reroll. Pour voir un peu les focus et tout. Pour voir le temps, le focus, même s'il y a des moments où ça sera un peu vide. On skip, on s'en fout. Ah, les gars, moi j'ai trois pubs. J'ai mis trois pubs au même moment. Et c'est le reste, c'est Twitch. Je peux rien y faire. Je baisse un peu le son du jeu. Ouais, Lotus, il reste très très fort, Exo. Ouais. Non, non, pas Ozef. Pas, enfin, au début, elle est forte. Mais au début, elle va vite se faire outscale. Enfin. Au bout de deux mois, elle va se faire outscale. Même un mois. Un mois, un mois. Ouais, un mois. Les gars, je vous ai fait une vidéo sur qui focus. Vraiment, j'ai fait une vidéo des teams à focus PVP, PVE. Hello, quelqu'un, si je peux changer de serve? Sur mon tel, c'est toujours. Faut changer de. Ah oui, les gars. Concernant le reroll. Pour le moment, il y a un bug qui concerne votre adresse mail qui est liée à la canadienne. Il y a une seule solution, c'est de changer l'adresse mail. C'est la seule solution qui est possible. C'est changer l'adresse mail. On ne peut pas la supprimer parce que ça va vous rediriger sur une nouvelle fenêtre qui est buggée. Et du coup, la seule solution, c'est de changer d'adresse mail. Jusqu'à que le problème soit résolu. Oui, c'est toujours l'un des meilleurs starts, Lotus, avec Mars, Mars, Yami, Standard, ou Yami, ou Asta Saisonnier, ou encore Mars, Sally. Ouais, je t'ajoute au groupe, Exo, rapidement. Je rajoute au groupe. Voilà, c'est bon, c'est fait. Mais j'adore ta voix, Greer. Non, je rigole, mais pas tout le monde dit un contraire. Attends, Paul, dis-moi, qu'est-ce que les gens disent en général? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Parce qu'il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues sur des persos et tout. Dis-moi. Re-twist, re. T'as bien taffé? Pour ceux qui veulent rejoindre mon serveur, il y a plusieurs. Pour ceux qui comprennent pas, mon serveur, il y a plusieurs. Il y a plusieurs canaux, mais le main canal, c'est celui de Black Clover. Hein. C'est celui-là qui sera le plus actif. Parce que ça sera c'est mon main jeu depuis 6 mois. Alors non. Comment dire que Lotus Mars, qui parmi les Américains, si tu me dis Rokage, non. Non. Mars et Lotus vont rester méta pendant 3 mois. Non, j'ai pas pu invoquer. Y a pas, ils ont pas sorti Yami, le nouveau Yami.
Ça sort dans 2 semaines si on en suit la version. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir la VF. Si on en suit la logique des portails, dans 2 semaines, le 14 ou le 15, entre le 14 et le 16, je dirais. Par contre, ils auraient pu nous donner la possibilité de skip le tuto. On leur a dit 15 000 fois, c'est dommage. Là, faudra faire 2-3 combats ici en plus. Ok. Oui, c'est normal, c'est normal. La version KR, au début, c'était beaucoup de tests. Hein. Faire confiance. Non, mais en fait, dis-toi que parmi les Américains, les Canadiens et les Anglais, vous allez avoir Sitin, Anto Senpai, Giku et Nagato qui sont fiables à 100%. En dehors de ces 4-là, le reste, c'est poubelle. Vraiment, le reste, c'est poubelle. Genre Giku, Nagato et Sitin et Anto Senpai, il n'y a rien de mieux pour si vous voulez suivre des autres sources que moi, Fufu, de temps en temps, Susucre et Alpix. Mais en dehors de ça, le reste, c'est vraiment poubelle. Giku, dites-vous que Giku, sur les premiers mois, il a été top. Il a été top, top 100 sur la coréenne. Et il a été top 1 sur la version canadienne. Sur 2 mois de suite. 2 mois de suite, et dites-vous que le PVP reset chaque semaine. Il a dit qu'il allait reprendre pour la version globale pour voir s'il allait avoir des changements ou pas. Il s'est pas joué à la version à Nanatsu, enfin à Nanatsu, mais pour Black Clover Mobile, généralement, il a toujours eu les mêmes avis que moi et Giku. Hein. Enfin, vraiment, il est très lent, ils auraient dû nous donner le x3 là-dessus. Hein. Ok, let's go. Vraiment, ça m'énerve qu'ils nous ont laissé ces 3 combats du début. C'est trop long. Fatigant. C'est vraiment très très long. C'est trop... À la limite, ils auraient dû nous enlever cette partie-là. C'est dommage. Une fois Charlotte Poule, on a dans nos cadeaux une multi-ticket, le grimoire de Yami Rouge. Ouais. C'est exactement ça. Il y a tout le monde qui stream dessus. C'est indécent. C'est indécent. Il y a une multi infinie. Ouais, il y a une multi infinie. À ce qu'il paraît, il y a un bug sur le portail de. Enfin, sur les récompenses où on récupère la carte de Yami. Non, il y a plus. Il y a 3. Normalement, y a, avec le délai, ils ont dû nous donner une ou deux multi supplémentaires. Du coup, au total, on doit en avoir 4 en dehors de du ticket multi. Charlotte, elle est donnée à tout le monde, frérot. Je vais pas te mentir, je pensais que la hype était partie. Et au vu de tous les délais repoussés, mais en fait, ben oui, mais les gars, je connais la hype derrière les jeux mobiles. Je le vois sur 15 000 jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont été retardés. Et à la fin, en fin de compte, tout le monde y joue. Je vois 1 million, 2 millions, 3 millions de téléchargements.
Oui, mais infini, mais tu m'as compris, Joyce. Pas genre infini, mais c'est very roll. Et tu peux sélectionner deux parmi les 20 qui sont les meilleurs. Si ça n'a pas changé, normalement, si ça a changé dans le cas contraire, ça va être un peu dur. Ok, les invocations. C'est cool ou pas? Ça démontre aussi une certaine force qui est promise pour l'avenir. Ouais. Pour la communauté gacha, d'un point de vue général, oui, c'est largement un très très bon point. Ou invocation. Ok, c'est parti. Du coup, là, c'est scripté, Charlotte, on connaît. Du coup, là, faut qu'on enchaîne jusqu'au combat de Yuno, Asta, je crois. Et qu'on parle à Yami pour pouvoir débloquer tout ça. Il y a des fake out en termes d'animation? Oui, il y en a. Tu peux en avoir deux de fake out. Deux styles d'animation fake out. Du coup, on récupère tout ça. Ouais, c'est bien ça. Du coup, là, on redémarre. Ok. Ça, c'est le premier bug. Ça, c'est dommage. Wesh Black 7DS. Un tryharder, un ancien tryharder de 7DS. Si, si, on les a, mais on les récupère après. Qu'on a fait vraiment tout le tuto. Bon, on récupérera la carte plus tard. Dans tous les cas, c'est pas super important. Sur quoi tu crashes? Sur quoi tu crashes exactement, 7DS? Enfin, Black, du coup. Black 7DS. Sur mobile? Étonnant. À quel moment tu crashes? Peut-être je pourrais régler ton problème. Ben, c'est toujours 35 minutes comparé à... Attendez. On cut les animations, on n'est pas là pour ça. Yo les gars, pourquoi le jeu me met échec réseau sur l'agglo? Ça te met échec réseau parce que ton adresse mail, normalement, est connectée à la version canadienne. Du coup, c'est bloqué. Et d'ailleurs, merci pour le follow. C'est toujours 35 minutes pour le reroll. Comparé, si tu compares à la version coréenne, qui elle est entre 10 à 12 minutes, 15 minutes. Je joue sur Nox. Je joue sur Nox. Boostac, moi j'ai des crashs. Je sais pas pourquoi. Ok, faut que j'invoque. Il m'oblige à invoquer. Il m'oblige à invoquer là-dessus. Invocation. Ça, on débloque ça après. Il y a un petit problème. Ah, ça, on débloque. Ouais, c'est dommage. Dommage qu'il nous fasse ça. Dommage qu'il nous fasse ça. Bon, on va faire un petit truc. Invocation. Connaissant ma chance, je vais rien drop là-dessus. On va aller sur Yami. Je sais pas si on va sur Yami. Faudrait l'un des deux DPS en vrai pour le PVP. Ah, ça commence mal déjà. Ah, ça commence très mal. Même pas de fake out, vas-y on skip. Même pas funeral. Ok, bon, c'est pas grave. Dans tout cas, faut qu'on invoque pour Yami. Yami et truc. Ouais, c'est ça. C'est pour le far pour moi, au début, j'ai focus le PvE. Il faudrait rapidement que je farme. Hein. Je vais up. Ouais, faudrait. Rapidement que je ferme tout ça.
Pour les items et tout. Déjà là, il y a un problème. Fatigant. Non, c'est pas ça. C'est lui qu'il faudra up. Si on peut, on peut. On peut. On va aller sur ça. Hein. Pourquoi up Yuno? Parce que j'ai pas de DPS. J'ai pas de DPS et je vais juste rapidement le monter niveau 20 pour les premiers combats. Et au cas où si vous n'avez pas de DPS, Yuno fait l'affaire au début. Oui, mais dans ce cas-là, la multi-instance Raika pour régler ça. Si tu peux, mais ça fera toujours l'affaire d'avoir 2 DPS pour terminer rapidement les combats. Après, je te demande pas de gaspiller tes ressources SSR, UR et LR sur Yuno, hein, c'est débile. Hein. C'est débile de le faire. Hein. C'est juste, tu l'augmentes juste niveau 10, hein, c'est suffisant. Sur quelle plateforme, Sajiro? SSR carte, si je dis pas de bêtises. On va aller vérifier. À chaque fois, je zappe. Mais je crois que c'est. On est à un total de 5%. Ok. Alors, on est là. Proba. Pour le mage, on est à 2,6. Ouais, 2,5. Et page de compétences, 1,5. Et on a un total, en comptant les deux, on est à du 4%. Les gars, moi je pars sur une thématique différente de la vôtre. Si vous voulez tryhard rapidement, allez sur Yami pour farm rapidement le PvE. Moi je vais aller sur une autre thématique. J'ai envie de tester un truc. C'est pour ça. Ouais, il donne beaucoup après, c'est ça qui est bien. Ça qui est pas mal. Là, je me mets en mode auto, je m'en fous. Dans tout cas, je passe tout. Ouais, pour farmer rapidement, vu qu'il vous donne la carte de Yami, allez sur Yami parce que son auto-attaque frappe en AE. Ça revient à la même, Exo. C'est exactement la même. Ticket ou Cristo, c'est la même. Il n'y a qu'un seul type de ticket. C'est les grilles là qu'on nous donne. Ben GG Walker, propre. On arrive bientôt au combat pour invoquer, pour les vrais invoques et tout. C'est pas mal. Pour reroll. Bah, le reroll, il se fait littéralement après le combat de Yuno. Du coup, non. On n'a pas qu'une multi, non. Non, vous avez un ticket reroll de 20 multi à faire et vous allez pouvoir sélectionner à la fin la multi qui vous semble être la meilleure. Ok. Bon, là, on arrive ici. Ouais, ça, par contre, c'est pas ouf. C'est là où je disais qu'on pouvait pas accélérer. C'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est ça. Faut terminer le chapitre 1 et ça se termine au moment où on parle à Yami. Après le combat de Yuno Asta. Ah, là, on court. Ok, c'est bon. Juste, ah, il y a un truc qui m'énerve. Désolé, ça va prendre un peu plus de temps. Juste, je change les graphismes. Ultra, 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 ultra. Ultra, ultra. Ok. Let's go. Déjà, là, c'est mieux. Tant que j'ai pas des déchirements d'écran ou quoi. Et merci à tous ceux qui follow. Hein.
Fais ça rapidement. Dans tous les cas, là, sur le reroll, vu que je suis en train de record à côté, j'ai dû prendre... demander plus tard. J'ai dû prendre déjà 2 minutes supplémentaires. Bon, après, c'est pas forcément un problème. Pas forcément un problème. Ouais, faudrait réessayer. Quand vous avez un bug d'affichage au début... connectez-vous en tant qu'invité et supprimez toutes vos anciennes versions, que ce soit canadienne ou canadienne en fait, c'est tout. C'est long tout ça. On est déjà à combien de temps là? On a combien de temps? Je regarde. Alors, pour le reroll, on est déjà à 21 minutes, ouais. Et on retire 3-4 minutes. On peut même pas skip les discussions, la narration. C'est long de ouf, hein. Ouais, le Yami Kubek, c'est normal. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est vraiment long, hein. Mais dans tous les cas, on verra ce que ça va donner. Déjà, moi, sur ma première multi, là, j'ai rien drop. C'est pas cool. C'est worth de prendre le Battle Pass. Je vais le voir, là. Je vais voir s'il est rentable sur cette version. Parce que je sais que sur la version coréenne, il est à 13,50€. Je termine ce combat et on va voir. On va voir. En plus, faudrait... Qu'on voit également ce qu'on gagne avec le pass. C'est différent de la version globale. Normalement, ça sera légèrement différent de la version coréenne. Skip. Il nous reste le combat avec Yuno et normalement on aura toutes les récompenses de préinscription. Là, faudra lier, du coup, on gagne 500. Mission de 7 jours, ok. L'enquête, 650. Événement de chapitre déblocage, chapitre, ok. Rang 8, ok. Ok. Et ça, c'est pour le côté pay to win, ça. Objectif de palier atteint. Et là, normalement, on a un truc, toujours pas. On continue. Rades, il est pas mal, c'est un bon tank, mais si t'as pas de DPS, tu vas galérer un peu. Il faudra que tu reroll là. Il est très bon, mais pas au début du jeu en fait. Il va te servir pour le PVP et pour la team bleue. Charlotte, elle est donnée à tout le monde, elle est bonne. Mais elle sera vite outscale par la suite. €16 le pass. Ok, c'est pas mal. Ok, on fait ça. Mais Charlotte, elle est bien, elle est forte. Ah, attendez les gars, pour le pass de combat, on va voir. 10. 10. 2 multi. Et 1000 cristaux. 3 multi au total. Ouais, c'est la même. C'est plus ou moins la même. 3 multi au total, c'est rentable. C'est un peu cher, mais c'est parce qu'ils prennent en compte la TVA, ça. C'est plus ou moins la même, hein. Il y a, on va dire, 100 cristaux de GIF, mais c'est même pas une single. Non, c'est pas cher, parce que sur la version coréenne, il est à 14€. C'est exactement la même.
C'est similaire. J'ai focus Asta. J'ai focus plusieurs persos. Ok, on a le bonus de co. Après, il faut qu'on débloque la guilde. Enfin, la guilde. Là. 10. Ils l'ont, ils l'ont toujours pas remis le ticket. Il y en a, ils vont crier. Le ticket, il est obligatoire. Ça, ils vont le corriger par la suite, Kretox. T'inquiète pas. Ben voilà, si c'est ça, c'est normal, les gars. Faut pas se plaindre. Hein. Il y a littéralement 2,50€ de diff entre la coréenne et la globale. Hein. Et c'est juste la taxe, ça. C'est une très bonne question. Je suis en train de chercher Max Hero. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas donné les trucs dès le début. J'ai vu qu'il y avait des bonus de récompense, mais... Le Asta rouge, il est très très fort. Ouais, il est très très fort au début. La Charlotte, elle est bien parce que elle réduit la défense. Elle frappe en zone. Et elle donne la possibilité de frapper une deuxième fois dans le même tour si vous tuez quelqu'un avec soit elle, soit un de ses alliés. Ouais, normalement c'est ça, ça sera après le chapitre 1. On est déjà à 23-24 minutes pour le reroll, hein, c'est... Ils ont abusé. J'avais une question, impossible de jouer sur LD Player, ça m'a mis échec de connexion. En raison de book, c'est normal. Est-ce que en bas à gauche, il y a écrit CA, version canadienne? Ben, c'est très très bien, Zora. Hein. Tu sais que t'es très très bien pour ta team bleue là. Enfin, t'es pas très très bien, t'es bien. Ah, ben c'est normal. Faut que tu changes de compte. Au début, faut pas que tu lis avec le compte que t'as joué sur la version canadienne. Sinon, t'auras ce message en boucle. En fait, c'est pas qu'il est pas fou. C'est que Yami, c'est que le prochain perso bleu, ben, il va arriver dans 2 semaines. Et entre-temps, tu vas pas attendre sans rien faire. Il te faudra une team bleue pour ton farm d'item speed, attaque, tank. Tu vois? Et si tu n'as pas ça, c'est débile. Selon moi, il te faudrait Lotus, Mars, Asta, Vengeance, Sally. Comme j'ai tourné dans ma vidéo, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Ah non, c'est pas ça, attendez. C'est pas ça. Je vous renvoie la vidéo. Rapidement, tenez. Merci pour les follow, les gars. Asura Metsu, merci. Fire Zalman, merci et tout, ça fait plaisir. Allez, on continue le reroll. Prends multi sur le portail de Yami, j'ai drop 2 cartes. Et Lotus, il est préférable de focus d'abord les persos avant de focus les cartes. Ok, on a fait ça, ok. Entrer dans le repère. Toujours pas, ok. Là, par contre, ils ont vraiment fait une bêtise sur le reroll. Hein. Ils auraient dû réduire à 20 minutes. Genre,
Ne serait-ce qu'après le match de Yami, enfin le match de Asta et truc. Asta et Yuno. Ah ben reroll mon pote, hein. Reroll, hein. Moi là si je drop pas, je vais reroll sur les comptes secondaires que j'ai fait là, sur les instances. Ouais, endgame c'est bien. Mais il te faudrait du DPS. C'est pas moi qui. Les gars, je vous assure, c'est pas moi qui décide des pubs, hein. C'est pas moi qui. Moi j'en ai mis 3 par heure. Je peux pas faire autrement. Désolé les gars. Depuis environ 1 an, ils ont mis en place ce système de pub dégueulasse. Du coup, moi, je peux rien y faire. Pourquoi il est rincé? Parce que. Bah, alors. Je sais pas, je sais pas. Qui a dit ça, Walker? Ouais, ils sont trop bêtes à avoir fait ça. Dis-moi qui a dit ça parce que je. La team rouge va te carry les 3 premières semaines en PvE. En PvP. Du serveur de Grésy, mais il y a combien? Il y en a, ils sont combien là-bas? Dans ma tête, une personne avait dit qu'on pouvait transférer son compte. Non, c'est faux, c'est totalement faux. J'ai répété dans 3 vidéos, je l'ai répété dans 10 tweets, les gars. Ça allait être 2 serveurs différents. Ça allait être 2 serveurs différents qui seront implantés dans l'application. C'est tout. Mais c'est deux régions différentes, 2 comptes différents. C'est séparé. Les joueurs qui seront sur la version canadienne ne pourront pas jouer avec les serveurs, avec les joueurs qui seront sur la version globale. C'est totalement normal. Ça serait trop débile. Là, c'est bon, je peux récupérer? Non, je peux toujours pas. Peux toujours pas, je peux toujours pas. Dans Event, ils ont même changé ça. Non, tu peux pas, hein. En haut? Ah oui, ça, ok. Ah oui, j'avais oublié avec Mimosa. Ah, je suis trop con. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de reroll. Je suis trop con. Ok. Du coup, inventaire, du coup. Voilà. Ah, c'est long, hein. On est à 30 minutes de reroll, hein. J'avais oublié ce système de truc au lieu de nous donner directement dans la boîte mail. Boîte de récompense. Ok, du coup, là on va voir. Après, il faudrait que je lis, mais. Ok, on invoque. Il est pas rincé le perso. Il est bon au début, mais il va faire outscale sur le premier portail en fait, qui va arriver. Ça. Du coup, préférable, je pars ici, moi, comme j'ai dit au début. Ok, ça commence bien. Non, fake out. Non, pas de fake out. Dommage. Dommage, dommage. Mars, Lotus, ça serait bien. Ouais, 25 minutes le reroll. Ok, là je drop, let's go. Espérons que ça soit pas une carte. Pas de fake out, c'est dommage. Ah, c'est une carte. La carte de Yami, forcément. Forcément. On va partir sur un reroll, hein. Bon, voilà.